Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un What I Got for Christmas, dans le fond, ce que j'ai reçu pour Noël 2018. Puis, je vais faire un petit disclaimer. Comment on dit ça? Disclaimer? En tout cas, je vais vous avertir un petit disclaimer. Je fais vraiment pas cette vidéo-là pour me vanter. En aucun cas, je vais faire ça pour me vanter. Dans le fond, c'est juste parce que moi, j'avais le goût de faire la vidéo comme tout le monde. J'avais le goût de moi aussi vous partager ce que j'ai reçu à Noël, qu'est-ce que mes proches m'ont donné. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'ils m'ont donné. Puis, je vous souhaite un joyeux Noël. Puis, j'espère vraiment que tous vos vœux vont se réaliser pour l'année 2019. Puis, bonne année. Et je vous souhaite de recevoir tout ce que vous désirez. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Dans le fond, le premier cadeau que j'ai reçu, qui est le gros B cadeau, c'est ma Lumi. Dans le fond, avec qu'est-ce que je filme en ce moment. Puis je suis tellement contente parce que ça fait tellement une différence, ok, pour vrai. C'est magique. Je peux filmer à toutes les heures du monde. Comme là, en ce moment, il fait noir dehors. Puis je peux filmer. Merci beaucoup à mes parents de m'avoir offert ça. Puis je suis tellement contente pour ça. Dans le fond, à Noël, dans notre famille, la première chose qu'on fait, c'est de déballer le bon Noël. Ici présent. Et oui, je n'ai pas 3 ans mentalement, c'est juste c'est mon bon Noël depuis que je suis toute jeune. Puis ben écoute, j'ai quand même un attachement sentimental et je suis comme pas capable de m'en débarrasser. Fait que, ben ça c'est mon bon Noël. Fait que je vais vous montrer pas mal ce que j'ai dedans. En premier, c'est la chandelle Hot Cocoa and Cream, comme ça, de chez Bath & Body Works. Elle est vraiment cute. Elle sent le chocolat chaud, c'est malade, ok? L'odeur de chocolat chaud, ça me rend joyeuse. Et cette chandelle-là me rend heureuse. Écoute, c'est magique. Après ça, j'ai reçu des petits élastiques qui viennent drôlement de chez Dollarama qu'on peut voir juste ici. Mais bon, c'est du petit élastique téléphone, ça sent toujours bien pratique. J'ai reçu des petites mitaines ici grises, bien cute, on capote. Ok, ça c'était comme une joke un petit peu, là, mais ma mère a trouvé ça, je sais pas trop où, mais c'est des bas emoji. Mais bon, écoute, quand que je vais plus avoir de bas dans ma petite manne à linge, je vais utiliser ça. Écoute, c'est des bas, c'est des bas. Au pire, je vais les revirer à l'envers, ils sont blancs. Après ça, j'ai reçu un petit masque comme ça, bien cute, un masque au charbon. Fait que dans le fond, dans mon bon Noël, il y avait ça ici, c'est du Lush. Dans le fond, je pense que ça, c'était le... Quand j'ai reçu ce petit ourson ici, il sent vraiment bon, il est vraiment cute. Fait que... Merci maman. Ici, j'ai reçu un mon purel préféré, dans le fond, c'est le Black Cherry Merlot de chez Bath & Body Works. Il sent tellement bon, je le capote. Après ça, j'ai reçu un démêlant pour cheveux, parce qu'on n'a jamais trop de démêlant pour cheveux. Fait que c'est pas mal ça qui va conclure le bon Noël. Écoute, ben il est vide, là. Il reste juste des bonbons ici. De ma grand-mère, j'ai reçu des mitaines comme ça, qui sont vraiment belles pour vrai, puis sont tellement chaudes. Mais en dedans, là, c'est tout. C'est genre tout du minu, tellement cute. Fait que merci beaucoup grand-maman si t'écoutes ça, mais je penserais pas qu'elle écoute ça parce qu'elle a pas d'appareil électronique. Mais merci beaucoup grand-maman pour ça, je suis vraiment contente. Encore une fois de ma grand-mère, elle m'a donné 2 paires de bas. La deuxième, je sais pas, est rendue où, elle devait être dans le lavage. Je suis vraiment contente, c'est tous des cadeaux qui me servent. Fait que pour vrai, je suis juste aux anges. Genre, merci grand-mère. Puis j'ai reçu de l'argent de mon père, fait que merci beaucoup papa pour l'argent, je suis vraiment contente aussi. Le prochain cadeau, c'est un cadeau qui vient de ma mère. Et dans cette boîte-là, il y a du Lush, évidemment. En fait, j'ai reçu une barre de savon et une bombe de bain. Ici, c'est la petite canne de Noël. C'est le pain moussant, je suis pas trop sûre. Fait que ça, c'est la petite bombe... Aïe, aïe, seigneur, je viens de prendre une crampe de moins. Fait que ça, ici, c'est la petite bombe de bain qui sent trop bonne, je l'ai pas. Mais dans mon bas de Noël, j'ai oublié de vous le montrer, mais ma mère m'a donné ce beau petit pistil-là de Aquafina. Aquafina, me semble, c'est une marque d'eau. Mais bon, bref. Dans le fond, ce que j'ai reçu, c'est des boucles d'oreilles en rond, comme ça, là, ici. Parce que j'ai jamais trop de bouts. Ça s'appelle comment? Des loupes, des boucles, des... Bref, j'ai jamais trop de bouts d'oreilles rondes. J'en ai jamais trop. Et ben, ma mère m'en a donné ici des argentés. Fait qu'elle m'en a donné des argentés comme ça. Ben basic, écoute, elle m'a donné aussi et les genres de or brun, là ça paraît pas pantoute, mais elle m'a donné ceux-là aussi. Après ça, j'ai reçu une carte cadeau de chez Jean Coutu. La dernière fois quand j'ai été au Black Friday, j'ai été chez American Eagle, puis ben j'ai trouvé un parfum que je trouvais qui sentait tellement bon. C'est le Exposure de American Eagle, puis genre j'ai pogné un gros coup de cœur là-dessus, tu sais ça sent fort, fait que tu mets juste un push comme ça. Mais c'est bon, hey, ça sent la clémentine. Oh mon dieu, ça sentait la clémentine pendant 2 secondes. Mais bon, bref. Après ça, j'ai reçu une petite crème à main ici qui sent pas trop fort en fait. Parce que moi, mes crèmes à main, ok, je m'en mets. En fait, j'essaye de m'en mettre tout le temps.
Et c'est pas évident quand t'as les mains comme du désert du Sahara. Écoute, mes mains, c'est legit du sable, le désert du Sahara. Tu l'appelleras comme tu veux, mais la chose la plus irritée du monde, j'ai bien beau mettre 3 litres de crème, ça revient tout le temps comme du sable, ok? Il y a pas de porte de sortie pour moi, que c'est juste... L'hiver, c'est pas fait pour moi. Fait que là, je vais pas vous les montrer parce qu'ils ont comme coulé un peu dans le sac, là, mais j'ai reçu du Lush. Après ça, j'ai reçu une belle petite... c'est un peu difficile à vous montrer, là. Mais ça, dans le fond, c'est, tu sais, les genres de trucs qu'on accroche une plante dedans, de là, tu l'accroches sur le coin, genre. J'ai vraiment hâte de l'accrocher dans ma chambre. Ça, j'ai reçu de ma tante des bonbons. Donc, merci beaucoup. Fait que ça ici, c'est une barre de shampoing et savon, menthe poivrée et citron. Ça, c'est fait à la main et c'est végétalien. Fait que c'est vraiment all natural. De ma mère, j'ai reçu un beau petit portefeuille de la marque Alexa. C'est une marque que je connaissais pas avant, mais pour vrai, je trouve que le portefeuille est vraiment beau. Et finalement, le dernier cadeau, c'est un petit chandail comme ça parce que dans le fond, je sais pas si vous avez remarqué, mais je tripe assez pas mal beaucoup sur les cols roulés. Fait que ma mère a décidé de m'acheter un petit col roulé blanc comme ça. C'est comme un genre de blanc cassé, c'est pas blanc, 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 mais c'est un petit blanc cassé. Puis il est vraiment cute, puis j'ai vraiment hâte de le porter. Maintenant, on va passer à la section de ce que je me suis acheté pour Noël. Fait que j'avais le goût de me gâter cette année. Fait que je me suis acheté des petits morceaux de vêtements que je vais vous montrer maintenant. En premier, dans le fond, ce que je me suis acheté, c'est des petits pantalons comme ça. Et ils viennent de chez Dynamite, puis on voit pas tant. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un pantalon que tu fais une boucle ici, là, puis qui sont assez lousses dans le bas des pantalons. Ensuite, pour aller avec le pantalon, parce que dans le fond, j'avais aucun chandail qui allait bien avec le pantalon dans ma garde-robe. Fait que dans le fond, je l'accompagne souvent avec que mon petit bodysuit comme ça qui vient encore une fois de chez Dynamite. Après ça, dans le fond, l'achat que je vais vous montrer, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais vous allez comprendre un peu mon vibe que je veux aller là-dedans. Puis c'est un genre de bodysuit comme ça, lacé. Puis dans le fond, ce que je fais avec, c'est que je le mets dans mes pantalons. Puis en dessous de ce bodysuit-là, je viens mettre mon petit chandail blanc ici que j'ai acheté de chez Dynamite. Puis ça fait toute la job, c'est full beau. Je trouve que ça fait vraiment différent. Fait que c'est pas mal ça qui va conclure mon What I Got For Christmas cette année. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis je tiens vraiment encore à remercier ma famille. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que j'ai reçu. Donc c'est pas mal ça. Fait que nous autres, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!